État islamique est-il derrière l'attaque la nuit dernière au Texas Selon une revendication sur Twitter, ce sont deux sympathisants du groupe djihadiste qui ont ouvert le feu contre un centre où se tenait un concours de caricatures, pas n'importe quelle caricature celle de Mahomet, dont l'islam interdit la représentation. Les assaillants ont été tués près de leur véhicule. On a commencé à évacuer les commerces autour parce qu'on était inquiets au sujet de la voiture avec laquelle ils sont venus, explique ce responsable de la police. Elle pouvait être piégée. L'attaque n'a duré que quelques secondes et seulement à l'extérieur du bâtiment. Les deux suspects ont blessé un agent de sécurité avant d'être abattus par des policiers. On était en train d'aller se coucher, raconte cette voisine, et on a entendu boum, boum, boum. J'ai dit ce ne sont pas des coups de feu, mon mari m'a dit non, c'est sûrement des feux d'artifice. On était à peine couché depuis 30 secondes que les policiers ont évacué le quartier. Le concours de caricature est organisé par une association opposition anti-islamiste, tout comme leur invité, le politicien néerlandais Gerd Wilders. En France, en janvier, plusieurs caricaturistes de Charlie Hebdo ont été assassinés par des djihadistes parce qu'ils dessinaient Mahomet.